quand les princes du port gardèrent mes leçons amis. Des milliers d'exilés mal du pays. Quand tu rêves la nuit exilé de ton île, entends-tu tous ces cris, ces rumeurs de ta ville? Haïti a vécu pendant 30 ans sous la terreur des Duvaliers père et fils et de leur tristement célèbre tonton Macoute. Près d'un million d'Haïtiens vivent actuellement en exil. En 1980, le poète et chanteur engagé Mano Charlemagne, futur leader de la résistance en Haïti, doit fuir le pays pour avoir osé défier le pouvoir. Là-bas, chanter la liberté, pour que meurent les rois qui l'avaient trafiqué. Pour que chante à nouveau les espoirs de ton île. Quand tu rêves chez toi, n'entends-tu que ces voix amies qui criaient dans la nuit en fuyant les soldats, les rumeurs de bataille, les accords de mitrailleux, les violons de la peur qui font grincer le cœur. Les cagoules dans la nuit accompagnées de cris de familles séparées de leurs fils bien-aimés. Toi, tu traînes ta vie et ton mal du pays, ami, le long de ces hivers tellement loin de la mer. Reviendras-tu là-bas chanter la liberté pour que meurent les rois qui l'avaient trafiqué? Pour que chante à nouveau les espoirs de ton île. Pour que chante à nouveau les espoirs de ton île. Sa voix a une voix très très particulière. Hein. C'est... Oh, il y en a beaucoup de belles voix sur la terre. Hein. C'est pas... Mais il y a quelque chose dans la qualité de sa voix qui n'est pas très courant. He cares. Il... Ce qu'il chante est important pour lui. Si l'église la parle magouille, si l'église pape Séviac magouille, qui a été sacré que Jean-Paul 24, à l'école, à l'église, c'est changement, à l'école, à vive la révolution, à l'école, à nous pas manger poisson. Je chante pour la libération. Je ne veux pas chanter seulement pour les Haïtiens. Je chante pour tous les peuples qui souffrent, tous les gens qui souffrent. Je tiens à ce que ces personnes-là se retrouvent dans une misère qui est mienne, et si on parle d'Haïtien qui est nôtre, et puis pour que soit, pour qu'il y ait réellement confrontation d'idées, et comment changer ça. Nous disons que nous ne sommes pas les seuls peuples qui sont dans la misère, dans la merde, et en Haïti, il y en a beaucoup. Makout ki bezwen la ye, wap vin la ye sou do, men dom la ye pa son la ye. Bon, non seulement, ce n'est pas seulement une audace politique, hein, c'est un, comme on dit en Haïti, un bandit. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui, tout jeune, à l'école, faisait la même chose. Allait se battre, quelqu'un qui avait une certaine audace dans la vie et qui est devenu, c'est pour ça qu'il n'a pas eu peur de tonton Makout, il n'a pas eu peur même... d'une opposition même de gauche à un certain moment. Je portais, quand j'étais jeune, des bombes artisanales pour les étudiants. Je lui disais tout simple, je ne savais pas. Si je me frappais le pied, là, tu vois, ça pourrait m'exploser avec moi. Mais je ne savais pas. On me faisait porter ça parce que j'étais un enfant tech-tech. Un enfant tech-tech, un enfant qui était au fond. Voilà, donc, ce type-là, il est intelligent. Passe-le à lui. Passe-lui ça. Et puis, je traverse, je devais remettre ça à quelqu'un d'autre. Je suis content parce que je venais de rendre service, ça allait plus grand que moi. Donc, je me faisais accepter et... par la vieille équipe. Ça fait Charles David à voyer. C'est gâté, manger vrai. La vie de la journée, tout côté libassé. J'ai nous bien calé, nous la nappe si veillée. La vie de la journée, tout côté libassé. J'ai nous bien calé, nous la nappe si veillée. Aïe, soldat, mon oui, mon commandant. À vos autres, mon commandant. À 15 ans, là, j'ai commencé à être. À traverser la barrière,
à franchir les interdits. À 15 ans, je me suis fait arrêter. On m'a amené au palais national. Donc, ne voulant pas dire mon commandant, on me battait. Dans un moment donné, j'ai commencé à contester, à tout contester dans la vie. L'histoire d'Haïti, que je n'aimais pas. Toute forme d'histoire. L'église que je commençais aussi à contester. Et puis, bon, je me suis fait expulser dans toutes les écoles. Je m'appelle Manuel, Dieu donné, Otilia. Mise en cage piégé pour avoir trop pensé. Baillonné et battu pour avoir trop parlé. J'aime mieux mourir boiteux que de vivre honteux. Disparu au matin pour avoir applaudi. Le peuple enfin debout qui criait assassin. Sans procès condamné pour avoir réclamé. Qu'on libère mes frères qui criaient liberté. Toutes les prisons du monde sont... Nous sommes en Haïti en 1978. Jean-Claude Duvalier est président et il tente une manière d'ouverture, de démocratisation au nom du jean-claudisme. Alors, c'est l'occasion que saisissent les intellectuels de l'époque. Il y a un momentum. Franck Étienne intervient avec le théâtre et Mano et Marco, un duo un peu fragile mais très téméraire, débarquent de Carrefour, la banlieue sud de Port-au-Prince, et viennent proposer leur chanson dans la radio de la capitale. Ça se fait très vite parce que c'est la première fois qu'on entend des textes qui vont aussi loin. Il y a une thématique précise, il y a un langage qu'on pourrait penser un peu marxiste, il y a beaucoup de poésie, mais en même temps, ils décrivent le quotidien du prolétariat. D'ailleurs, cette escalade emmène la situation beaucoup plus loin. Finalement, il y a les événements de Saint-Jean-Bosco, il y a une censure qui commence à s'appliquer sur le théâtre. Et la chanson, Mano et Marco ont déjà pris la liberté d'aller trop loin. Le 21 juin 80, on avançait, on donnait certains spectacles, on composait des chansons presque chaque jour. Dans un spectacle, j'ai dit à Bas Duvalier, et puis bon, c'est fait. Ce soir-là, Mano en a trop dit. Il doit prendre le maquis et fuir aux États-Unis. Ça devait arriver, d'ailleurs, je ne suis pas mort, c'est par chance. J'aimais Haïti, bon, dans l'exil, je sentais que j'avais commis une erreur de laisser le pays comme ça, etc. Je suis arrivé à Miami le 4 juillet. Vous imaginez, je suis sorti d'Haïti dans la clandestinité, et puis je suis arrivé à Miami, là où il fêtait, il y a des pétards partout, c'était la panique. Et puis, je suis traversé à New York le 26 juillet. Là, j'ai commencé, je faisais face avec ce qu'on appelle les exilés. Certains qui se sentaient confortabilisés dans leur exil, mais certains aussi qui sont à la base de ma préparation de militant, là, de chanteur militant. Mes amis, dis-moi, pendant l'occupation, le chien y a touillé Péral. Est-ce que l'Américain te gagne M4? Est-ce que l'Américain te gagne M4? Je ne voulais pas vivre aux États-Unis, je n'ai jamais aimé. J'ai jamais aimé le comportement, l'agressivité, l'arrogance des Américains. Mais on joue petit 4-4, mon poule tourne en gros chat, on le 1804. Mitraille va faire crack, l'Américain va faire pat. Le sang s'y mettait pas bien à M4. Les sens ne tiennent pas bien à l'N4. Les sens ne tiennent pas bien à l'N4. Organisation mondiale, yo pas pour nous, yo yeah.
ça la pourrait dévoler, yo pillé dévorer. Mano profite de son séjour à l'étranger pour approfondir ses connaissances littéraires et politiques et multiplier ses contacts avec les milieux militants. En 1981, il découvre Montréal et décide de s'y installer. Yo fait réunion, yo parlé, yo rancé. Devant vers champagne, bon divin qui importe, c'est là s'arrêter. Les peuples en bas, âme, tout pays, tout côté. Moi, je m'étends des autres qui a analysé, l'aile pas concernée. L'aile pas concernée. Tout ça, mon bavle étendu. Je suis arrivé à Montréal, ça a été un choc, premièrement. La température, deuxièmement, j'ai pas pu rencontrer la communauté haïtienne, j'ai plus vu la communauté québécoise, c'est des chocs, pays de blanc quoi. J'allais dans tous les clubs où je pouvais trouver des immigrants, et j'ai toujours rencontré les Québécois, mais c'est un peu différent là. Sur Montréal, au jeu du tambour, les Québécois sont là, dans tous les trous où ça devait être essentiellement immigrants, ils sont là. Aux États-Unis, c'était le milieu haïtien. J'ai appris à connaître le monde extérieur ici, à Montréal. 80-86, ça, c'est l'exil de Manu. Il est hors d'Haïti et il devient, il se métamorphose complètement. Il devient le militant. Il a le béret, la barbiche et il participe à tous les mouvements populaires. D'ailleurs, il l'a toujours dit dans ses chansons, les Haïtiens ne peuvent pas rester indifférents aux luttes des autres opprimés, puisque opprimés par excellence. Les Québécois luttaient contre l'anglicisation et contre l'américanisation. Donc, je me suis trouvé dans mon bain pour continuer ma lutte en exil. C'est à cette époque qu'il réalise donc ces deux disques importants. Conviction, tout d'abord, qui marque d'ailleurs le début de sa carrière solo, et aussi Fini les colonies, qu'il écrit en collaboration avec Francine Chouinard et qui sort à Montréal. Tu me prends tout pour dessous, toujours faudrait dire merci à genoux. Tu m'as eu, tu m'auras plus, c'est fini les colonies, fini le temps du mépris. Ça va changer un jour. C'est Francine qui avait écrit un texte, le texte en français, et j'ai fait la traduction créolement. Fini les colonies. Je crois que ça a été un succès, bien que la communauté haïtienne a essayé de minimiser ça. Et je devais leur dire par la suite, il semble que vous troquiez une langue coloniale pour une autre. Hein. Vous parlez anglais très bien et vous ne voulez pas que moi je chante en français. Ils ont essayé de minimiser ça parce que c'était... Parce qu'il n'était pas à la base de cette réflexion. Moi, je connais, c'est très petit bourgeois, c'est très... Mais bon, ils ont fini par aimer quand même. Un grand, grand amoureux de son peuple. Et ça, c'est vraiment la chose la plus fondamentale, je pense. Un authentique amour. Parce que je pense qu'il y a des tas de gens qui se disent engagés, défendeurs de ci, de ça, et de... Parce qu'il y a une partie de mondanité là-dedans, il y a une partie de toutes sortes de choses. De toute évidence, c'était sa vie. J'ai connu plusieurs autres personnes moi, qui ont souffert quand même de mon sale caractère, de ma dépendance vis-à-vis des choses politiques. Hein. Il y a une dépendance, hein, c'est comme une drogue. Cette dépendance peut vous amener à déchirer votre vie. Le plus curieux, c'est qu'à cette époque, même si il devient un peu... ce justicier en terre étrangère qui continue de se battre avec sa chanson à un message donc pour le même combat, même si ses chansons sont complètement proscrites à Port-au-Prince, les cassettes clandestines continuent de circuler. Sa chanson circule, on va s'en rendre compte, d'ailleurs, à son retour en 86. Nous prenons patrie, nous passons l'en papier. Nous vendons pays pour belle caille l'autre côté. Moi nous pas même ma digrate mal masqué. Vi nous punta devant l'en défilé. Franchement, je ne pensais pas que ça allait arriver aussi vite en Haïti. J'allais aller partir comme ça. J'ai vu des jeunes au Cap qui faisaient l'enterrement, qui chantaient les funérailles de Jacques Duvalier pendant qu'il était au pouvoir. Ils étaient 60 000.
Le 7 février, il est parti définitivement. Et le 9 février, j'ai traversé à New York et il est rentré en Haïti. Immédiatement, les Américains ont formé cette junte militaire civile avec Nancy. Non, moi, je savais. Pour la, par rapport à la préparation politique, à la formation que j'ai, j'allais provoquer des situations en Haïti avec l'accord des gens qui ont lutté, avec l'accord de la jeunesse en Haïti, renverser les dictatures militaires et puis provoquer les élections. Mais jusqu'à présent, ce n'est pas encore fini. C'est à peine commencé ce mouvement. Il n'y a pas ni Aristide, ni Préval qui vont me dire que c'est terminé. Non. Ils sont le zéro, tu vois, dans le commencement du mouvement démocratique haïtien. En tant que mon responsabilité, qui l'élite avec toute lucidité, mauvais drap blanc pour sa gain l'honnêteté, vini coucher, rouler, montrer saleté. Pas mettre un yen sous dos sous développement. Pas chercher mots pour nous faire fuite en avant. Des siècles de ça nous t'es moun conséquent. L'angou mais contre zot pour nous indépendants. Faut au prince à la côté autant de. Madigra marche l'en chat blindé. Madigra m'pape aussi. Quand je parle des gens politiques, je sais que ça pourrait faire mal, et ça me fait mal aussi, même si ça me fait de la peine, mais quand il s'agit de décisions politiques, je les prends sans arrière-pensée. Madigra m'pape aussi mouillé. Madigra m'pape aussi mouillé. C'est premier fois m'davoué sa rivée. Madigra bay tête lion grade souple. Pour le faire m'pesser, laisse-moi pral piafé. Je savais que je devais être là, même mes amis les plus proches, même quand j'ai une qui était la personne la plus chère pour moi, elle était au courant. La mayotte m'pape ou, m'pape ou, m'pape ou. La mayotte m'pape ou, c'est mouillé. Mano rentre en Haïti en février 1986, où il est accueilli en héros par la jeunesse. Ses spectacles deviennent des meetings politiques et il s'implique avec les jeunes dans la lutte pour la démocratie. Malgré sa position anticléricale, il soutient le père Jean-Bertrand Aristide et lutte à ses côtés contre les différents régimes militaires qui succèdent à Jean-Claude Duvalier. Posez question avec belle souris. Ou diplôme, c'est belle difficile. C'est belle difficile. Bon bout de travail ou de l'amitié. C'est qui mettent la vie. Pas de placement, pas de jambon, n'est
bien protégé. La jambe ne va pas saisir. Le discours, les paroles de Manon ont donné aux jeunes encore plus de force pour s'engager dans la dénonciation, pour prendre la rue. Et vraiment, c'était moi, ça m'avait vraiment beaucoup frappé de voir à partir de 87, 88, 89, c'était des milliers, des 20 000, des 30 000, des 40 000 personnes qui prenaient la rue. Évidemment, la majorité, c'était des jeunes. Depuis complot, ma coûte. Bourgeois, impérialiste en soutane, t'es marqué pour te malé. C'est la première fois que je viens de payer dans une jeunesse qui a bataille pour la révolution en fait. Chemise qui sous moi, c'est lui qui est sous moi dans la nuit. Complot, Fresino, t'es marqué pour te malé. Et après-midi, c'est. Et après-midi, c'est pas chemise là seulement qui sous moi, mais c'est l'esprit qui sous moi de Chalmaï là qui sous moi tout. Si on veut parler de la participation de Manon à la campagne d'Aristide, je pense que, évidemment, vous savez qu'en Haïti, tout rassemblement de masse se fait avec des chansons. Et évidemment, les chansons qui venaient très souvent, qui était repris par la foule, c'était en général les chants de Manon. Lorsque Titide s'est présenté comme candidat, c'était contre Roger Lafontaine. Roger Lafontaine, qui était le chef des Tontons Macoutes, qui était candidat à la République et que personne n'osait affronter. Le titite qui s'est présenté à ce moment-là, c'était réellement le prophète, celui qui venait sauver Haïti de la dictature du valiériste, de la terreur des Tontons Macoutes. En décembre 1990, Aristide est élu président. C'est à titre de consultant que Manon agira au sein de ce premier gouvernement démocratiquement élu. Où ça a changé tout le monde? Votre chaudière a abîmé. Dans ce pays où la religion occupe une place importante, où, comme dans le reste de l'Amérique latine, l'Église a souvent été l'allié du pouvoir totalitaire, le père Aristide, partisan de la théologie de la libération, a changé les règles du jeu. Quand j'ai remarqué que certains prêtres en Haïti supportaient Duvalier, immédiatement, je hais l'Église, mais pas pour autant. Le mouvement de l'Église en Haïti qui nous a amenés à la libération et à la prise du pouvoir d'Aristide, c'est l'Église quand même, tu vois. En septembre 1991, Aristide se rend à New York. En son absence, les militaires préparent un coup d'État. Manon et des gens du peuple veillent en chanson devant le pénitencier national où est enfermé le chef des Macoutes, Roger Lafontaine. C'est seul artiste qui était passé nuit avec une population, jour retour, Jean-Bertrand Aristide. Et bon pénitencier national. Le 30 septembre 1991, sept mois seulement après son investiture, le président Aristide est renversé par un sanglant coup d'État dirigé par le général Raoul Cédras et doit s'exiler vers le Venezuela. Un climat de terreur s'installe alors en Haïti. C'est l'artiste qui était chanté clair, quitte sous Duvalier, quitte sous Cédras, quitte
son avril qui te frappe. C'est un artiste tout. Mais t'es qu'on peur pour lui. Et les amis mio ont demandé qui ça Mano Chalmaye, c'est son extraterrestre. Quel go naïve, quel au cap, quel pétionville, faut manger ses dras. Faut touiller ses dras. La peur. Moi, j'ai peur des rats. Seulement. Et quand je voyage, j'ai peur de l'avion. Mais dans mes convictions politiques, je sais que je dois mourir. Et je sais que je devrais avoir une mort violente. Politiquement, j'ai jamais eu peur. Le jour du coup d'État, Manu est à la radio incitant le peuple à résister. Il est arrêté et conduit au pénitencier national. Je m'y attendais. Hein, car depuis 1986, j'attaquais l'armée. C'est normal que l'armée fasse un coup d'État, qu'on vienne m'arrêter. Ou bien que je prenne les armes, on n'était pas prêt pour ça. Ou bien que je me fasse arrêter pour ne pas qu'ils aient à me chercher et à détruire les gens du quartier. C'est pour ça que je me suis laissé arrêter à 9h10 du matin. Relâché, puis kidnappé, Manu croit sa dernière heure arrivée. Immédiatement, je revois le Chili. Donc, on arrête un leader, on le relâche. Plus tard, on le retrouve sur un paquet d'immondices. Voilà. Là, ça a été le choc. Ironiquement, il a la vie sauve grâce à l'initiative d'un soldat qui le conduit à l'ambassade d'Argentine. Il y restera 77 jours avant de pouvoir quitter le pays pour un second exil qui durera 3 ans. Le 15 octobre 1994, escorté par les Américains, le président Aristide revient en Haïti. Le capitaine américain a sabordé mille navires, mille leurs équipages en dérive. Le capitaine américain a piraté mille paradis, fait chavirer 100 000 pays. Sur tant de rivages accostés, a déchargé un conquérant ses cargaisons empoisonnées de colonels colonisants, d'enfants gâtés casqués d'acier, de multinationalisants. Et dans ces îles prises au lasso, sont amarrés trop de bateaux. Les pêcheurs ne vont plus en mer, les poissons nichent dans les mines. Les paysans cherchent leur terre à travers les champs d'héroïne. Capitaine America, Capitaine America, Capitaine America. Et quand les marins sont lâchés, simple exercice de routine, les femmes sont mises en vitrine, marquées d'un prix et consommées, accouchant d'enfants souvenirs, sans patrie et sans avenir. Ils n'ont pas amené la démocratie. Ceux-là qui avaient demandé à l'ONU de les aider à retourner au pouvoir, c'était une simple question de pouvoir. Hein. Ce n'était pas réellement pour le peuple haïtien. Quelques jours plus tard, Manu rentre en Haïti. Il désapprouve l'alliance d'Aristide avec les Américains, mais soutiendra la candidature du président René Préval aux élections de 1995. La même année, encouragé par la jeunesse, il se présente comme candidat indépendant à la mairie de Port-au-Prince. Pour toute campagne, il donnera un spectacle 2 jours avant les élections. C'est dans le désordre le plus total que le maire élu de Port-au-Prince a été investi dans ses fonctions. Présence remarquée à la cérémonie, les diplomates étrangers accrédités en Haïti, le premier ministre et plusieurs membres de son équipe gouvernementale, M. Charlemagne a promis de s'attaquer immédiatement au défi de l'insalubrité et de la promiscuité dans la capitale. Il en a appelé pour se faire à toutes les bonnes volontés. Autre problème que se propose de résoudre le nouveau locataire de l'hôtel de ville, l'aspect hideux des marchés publics et l'éparpillement anarchique des marchandes. Autant d'entraves à la marche ascensionnelle de Port-au-Prince vers le progrès, a-t-il souligné. M. Charlemagne a également annoncé 2 priorités, les écoles communales et la santé communautaire. Les premiers temps ont été vraiment difficiles pour nous, parce que nous étions une équipe très jeune, et puis nous voulons... Notre premier objectif, c'était
de coopérer avec Mano et puis de relever le défi. La mairie de la capitale, figurez-vous, il n'y avait rien de matériel, rien de comme dossier et tout ça. Il fallait tout recommencer. Et avec les volontés que les militants en général ont pour lutter, pour changer, on s'est dit qu'il va falloir relever le défi. Le défi, c'était quoi? De prouver qu'on n'était pas des gueulards, seulement des gueulards, qu'on pouvait faire quelque chose. Ce quelque chose, à un certain moment, on pensait que ce serait facile parce que quand on milite, il y a un part de rêve, de poésie dans tout ça, mais la réalité, c'est différent. On a essayé de me corrompre. C'est le IRI. Et c'est les républicains qui ont ce truc-là. Qui m'offrait $1 million pour laisser la place à M. Evans Paul. C'est la première fois dans ma vie que je me sentais pressuré. Que j'avais peur. Jouman au fait chimé crochi. Éliminer le pas bal la vie. Ça doit être sérieux. Hein? Le jour où, dans les nouvelles, vous apprenez que j'ai volé, que j'ai fait quoi que ce soit, vous devez me détruire. Mano a fait des interventions qui ont été, je dirais, assez radicales. Estimant que le gouvernement n'agit pas, Mano s'attaque à la corruption et à l'insalubrité dans la capitale. Sa première initiative sera de faire raser tous les commerces installés sur la grande place du Champ de Mars. Il a fait des interventions au niveau du Champ de Mars, où nous avions réellement un amoncellement de petits restaurants avec une prostitution bien développée, de la drogue qui circulait pas mal. Et c'était devenu réellement, en plein centre de Port-au-Prince, c'était devenu réellement un noyau de pourriture pour les jeunes. En tant que militant marxiste, militant convaincu de la nécessité, si vous voulez, de libérer ce pays, de libérer cette ville de toutes les formes de corruption, c'est normal que Mano ait eu le goût de libérer la place. Quand les militants, on lutte contre quelque chose, c'est pour avoir le pouvoir. Je n'avais pas ça en tête, maire ou président ou quoi que ce soit. Maintenant, gérer le pouvoir, c'est autre chose. Être dans une mairie, c'est faire face à des réalités ponctuelles. Et chaque jour, on chantait, hein. On avait la jeunesse avec soi, on faisait des analyses marxistes, etc. Mais maintenant, il y a des gens qui viennent là, qui pleurent, qui vous disent, je ne suis pas venu ici te demander de l'argent, je suis venu que nous voulons un job. Avec un job, nous allons avoir une dignité. Nous appuyer son petit pour un jour. Moi, bataka permettre moi dit que nous fou. Maladie pas bon, mais diol pas goût. Si elle plaît, mauvais temps pas. Y'a va comprendre ses vérités. Bab j'en pi malo, m'a toujours pi bien haut. Mes amis, même si m'en de charité, l'empire famille. Avec les faibles moyens qu'on a à notre disposition, parfois, c'est assez difficile d'entreprendre un projet et réaliser ce projet jusqu'au bout. Quand je parle de moyens, je parle de moyens financiers, parfois de moyens politiques, parce qu'en général, on n'arrive pas à trouver l'appui nécessaire du pouvoir central. Parce qu'en Haïti, c'est assez difficile. Le partage du pouvoir en Haïti, c'est très difficile. Ça ne rentre pas dans la tradition haïtienne. Il y a le président et les autres. Grand goût, pas qu'à manger. Tony, pas qu'à billet. Un seul petit là qui m'a arrêté l'encaille là. Yo fait complot, yo voyait l'en marché pour m'capi malo.
Pas j'aime pi malo, m'a toujours pi bien. N'a pas évolué l'anti société jusqu'à présent qui pas qu'à compte qui s'allie. Si le propriétaire ou s'il des moitiés, car ciel blé, mauvais temps Paris. Y'a va comprendre, c'est tout bon vrai. Quand vous connaissez la situation des classes sociales en Haïti, où vous avez une minorité de 5 ou 6%, lui 16 000 personnes dans un de ses champs, qui exploite pratiquement les richesses de tout ce pays, dans un pays de 8 millions d'habitants, évidemment, ça veut dire que vous avez des millions de personnes qui vivent dans des conditions infrahumaines. Mais pas ici, nous, 6 millions. C'est chaque 100 millions qui vient. Ça fait 6 000 qui vient l'argent. Port-au-Prince, capitale d'un pays dévasté par 150 ans de dictature. Un pays dont le sous-sol a été pillé, les forêts détruites et les terres appauvries par l'érosion, forçant les paysans à quitter les campagnes pour se réfugier dans la capitale. Un pays où le coût de la vie a quintuplé en quelques années. Un pays affaibli par plus de 10 ans de chaos politique, de désorganisation chronique et de corruption systématique. Un pays où certains parmi les mieux nantis misent sur le désordre pour s'enrichir. Comment gérer une ville aussi terrifiante que Port-au-Prince, où tout est priorité? Le samedi, le dimanche, c'est les jours de funérailles. La vie commence à partir du lundi au vendredi, quand ils pourront trouver de l'aide de quelques autres amis. C'est comme ça que ça se passe. À la mairie, là, maintenant, je vis ça. Ce n'est pas des gens qui viennent faire quoi que ce soit. C'est des gens qui espèrent. Ici, l'imagine de vos fans. Je ne sais pas si tu es un homme. C'est nous, nous, là, au gouvernement, là, et maïsta. Pas un monde qui parle de nous, là, non, au gouvernement. Ça fait là correctement. Ma femme est de l'homme, même.
tout en bas là, on va y aller. Je suis en train de faire pour la jeunesse. Et puis là, on a pouvoir la capacité. On a fait bien. Ça a un exemple. L'être là pour le fait. Vous voulez visiter ça. La bingo de la double. On a pas nouveau de problème. Si mes cousins m'ont réponse, je dis nous pas là. Des fois, je sens que je suis un petit peu niaiseux. On met dans une situation où je devais fustiger les hommes d'État pendant eux s'enrichissent. Et dans leur discours, ils parlent du pays. Les gens pauvres. Et les pauvres, c'est à moi qu'ils viennent ici. Ils sont dehors, là. Ils m'attendent. Écoutez bien, je ne dis non. Je dis magistrat, même quand on est dans la réunion, on est moi-même, personne ne m'a rien gardé. Conçu pour 200 000 habitants, Port-au-Prince en abrite actuellement 2 millions. Chaque jour, des milliers de marchandes envahissent les rues de la capitale. Là aussi, Manu est intervenu et a envoyé sa police municipale pour tenter de les déplacer. Mais il y a eu violence et le mécontentement est palpable. Les petites marchandes dans les rues, ça, réellement, je me retrouve souvent en conflit avec moi-même. Alors là, la façon dont se sont conduits certains membres de cette police vis-à-vis des vendeuses des rues de Port-au-Prince qui envahissaient de plus en plus le centre-ville à tel point qu'il était presque impossible de traverser. Et puis, monsieur dit qu'on s'abat, il a un bâton en dos, madame. Et puis, il a un bâton en dos, il a un gros coup de bâton. Là, il a un deuxième coup de bâton en sous-moi, et puis c'est coulé pour la tête. Si deuxième coup de bâton en tête, c'est à terre, il a un cadavre. Que moi, son monde qui a cinq petites lacailles, moi, je n'ai pas de mari qui a occupé, je n'ai pas de mari qui a fait d'homme. Que moi, son femme, Dieu, moi, je suis tapé dans tout le bagage, je vote dans le pays, parfaitement. Toute élection, je toujours voté. Mais c'est coup de bâton, je vote, je n'ai pas voté en rien dans le pays. Sur le principe, je pense que tout le monde était d'accord, il fallait libérer les rues de Port-au-Prince. Mais je crois que réellement, ceci a choqué profondément la population. D'accord, il y a plein de nous. Oui, c'est un danger, il y a plein de nous. Mais il faut que je me chute. Il faut manger, il faut mourir. Il y a quatre garçons. Il faut manger. Et ça, il faut manger. Ça, c'est le même. Il même qui tout moi, même ça. Qui tout moi. Tu vas manger? Elle est toute bagaille, je vais l'autre bagaille, comme bagaille, monsieur. Pour m'en manger. Oui, je vais baler, chérie. Oh, oh. Dans le pays, moi. J'ai dit à mes hommes de laisser tomber, car il ne faut pas les tirer sur les gens comme ça sans savoir où les mettre. Il faut envisager des choses qui peuvent servir à tout le monde. L'État et les marchands. Dommage façon là et on va vous qui baiser là et on va venir là et si dommage. C'est la fête du travail. Pour la première fois, les employés de la ville sont invités à la mairie. Du jamais vu de mémoire d'Haïtien. Merci en pile, merci tout employé, tout le monde qui est là. Président, le budget que vous signé pour considérer employé voirie
comme des employés de l'État qui méritaient considération que l'autre magouille quand on parle au gain. Situé à flanc de montagne, le village de Dieu, une cité bidonville qui s'est organisée collectivement, se prépare à accueillir le maire. On dit que ici c'est un bidonville. C'est, les bidonvilles n'ont pas la chance d'avoir des grandes maisons comme ça. C'est construit sur du fatra. C'est pas construit sur du solide. Et les maisons sont solides. C'est pas les pauvres qui ont construit ça. C'est les riches qui ont construit, qui ont investi. Donc c'est une question de mauvaise foi. Chacun nettoie la face de sa maison jusqu'à ce qu'on puisse nettoyer toute la cité. Et c'est tous les jours. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas encore d'eau aujourd'hui. Il n'y a pas d'eau. Il y aura d'eau peut-être plus tard ou ce soir. Il n'y a pas d'eau tout le temps dans les tuyaux ici. Les lessiviers lavent. Tout le monde, les personnes se baignent ici. Nous nous amusons très bien. Et ça, c'est dans la propriété qu'on fait ça. L'hygiène. Et tant qu'on ne résout pas ces problèmes en amont, nous sommes en aval. Quand il pleut, une pluie, peut-être plus de 3 jours, pourrait causer la mort de tous les squadeurs qui habitent à Guadeloupe-Sal et aux cités là, et aux bidonvilles. C'est seulement l'autorisation et l'égalisation que nous avons besoin ici. Je compte sur le maire Emmanuel Charlemagne et tout ça. Les gens de la cité ont beaucoup travaillé pour améliorer leurs conditions de vie. Haïti, terre glissée, dit le proverbe. Un pays héritier d'une histoire de violence et d'abus, où les efforts des habitants pour améliorer leur sort passent inévitablement par le risque de tout perdre. J'ai pas changé. Je vais changer les choses. C'est vraiment décevant. Pour un homme comme moi. Bamio Tilimie, même. Bamio Tilimie, pour moi, ça t'a passé. Bon, mieux t'y limier, s'il vous plaît. Bon, mieux t'y limier, tendez, pour ta boue. Pour qui ça, c'est ne qui vous fait souffrir. Pour qui ça, c'est ne qui vous fait sort. Pour qui ça, ne qui vous fait pas manger. Pour qui ça, vous mangez. Mais c'est pas tout le monde qui jouit privilège. Gagne une série de mots, c'est pour une catégorie qui existe. Bonheur, joie, contentement, gaieté. Yo pas jamais joué moment ça. Yo là y'a vivre au jour les jours. Chita dan. Nous gué pour nous passer toute vie dans la salle d'attente. Maman nous te la donne, papa nous te la donne, nous-mêmes nous entrer là dans l'idée. C'est tous ces poignettes nous pour l'été, car la mal va tomber encore. Soleil va guérir. Jouer le même chalet, soleil va éclairer pour nous tous.
jouer le même chalet. Oh. Bon, mon petit bimbe, s'il te plaît. Bon, mon petit bimbe, t'as bon, mon petit bimbe. Quand je suis artiste, je me sens mieux qu'être maire. Je vous le dis carrément. Artiste politique, je me sens dans ma peau. Six mois plus tard, Manou fondait un parti politique et au carnaval suivant, l'artiste maire défilait dans la rue avec sa chorale et ses chansons engagées. Yo gen le comprendre ça, yo ban nou von accepter. Non pas voulez parler. Le jour ça voulait. Dans la route sans qu'on ait jusqu'à côté ça aller. Ça va des années, mais sous ça que n'a pas dit. Vita! 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 V